Mais mec, où est-ce que je suis là? Normalement, c'est... Putain, non, je suis... Au bout du pont, il y a l'auto-école normalement. 107 avenue du Bac. Go! C'est quoi ce truc mon gars? Bon, dans 5 minutes je suis arrivé au permis les gars, mon permis qui est dans le 92 je crois. Permis A2, c'est hyper loin de chez moi. Mais bon, c'était le seul truc que j'ai trouvé pas cher et formule accélérée parce que je voulais le passer super rapidement. Donc voilà, donc là je vais arriver aujourd'hui chez mon heure d'évaluation. Je sais pas si je pourrais filmer les gars quand je ferai de la conduite sur les gros cubes là, quand je ferai mon plateau, enfin pas le jour d'examen mais en gros quand je passerai le permis et tout, je sais pas si je pourrais vous filmer. Il y a des auto-écoles qui veulent pas qu'on filme avec la GoPro parce qu'ils disent si on tombe et tout, avec la GoPro on tombe. Normalement c'est là. C'est ça non? Ouais c'est là. Enfin je sais pas, là il y a des motos. Où est-ce que je vais me garer? Il n'y a même pas écrit auto-école, pourquoi il y a des motos là? Ah, auto-moto-école, ok. Donc voici les motos Suzuki SV650. Faut que je trouve un endroit où attacher la mienne. On va l'attacher au poteau là-bas. Là. Ça va, ils sont propres en vrai. Tout en noir là, avec le petit protège-réservoir. Et merci les 20K. Oh, je vous aime, merci les gars, ça fait grave plaisir. 20K mon gars. Toi tu passes juste derrière moi, okay. On va s'arrêter un feu ou un stop, t'auras un autre auto qui se mettra à côté de toi, en gros toujours décalé. D'accord. Ouais c'est ça que j'ai fait parce que je fais du tour là. Oulala. Moi ce serait pas carrément. Comment tu sais? Oh je suis trop chaud. C'est écrit dessus ah ouais du mat. C'est quoi ton image? C'est ça là? Non, moi c'est beau, c'est beau, t'inquiète. En première heure? Ouais, ouais moi aussi. Les premières, ok. Un 2 à 2, tout le monde m'entend? Un 2 à 2, c'est beau? Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc il y a une moto, vous l'avez mis en plein phare. Il y a une moto qui est en plein phare, c'est normal, il y a un feu derrière. Ok. Nice. Moi je suis tout derrière. Tout derrière? Ouais, pour qu'ils me regardent. Ah il va devant? Ouais tout devant derrière nous. Ah ok. Je croyais qu'il était derrière nous, c'est pour ça. Ah, non, non. Ok bah je vais devant alors. Ouais. Ouais, elles sont lourdes les motos. La petite R125. C'est des motos que j'ai jamais testées, elles sont super lourdes avec les crash bars. On attend tout le monde. Putain, je suis trop content que je puisse filmer les gars, c'est un truc de fou. C'est trop trop bien. Il est super cool. Donc voilà, donc on est sur un SV650. Elle est assez grosse la moto. Donc là on va faire ma première heure de moto, heure d'évaluation. Par contre c'est bizarre que l'auto-école, le moniteur il soit devant. J'aurais pensé qu'il restait derrière nous pour nous vérifier et tout, nous surveiller. On va bien se concentrer, on va bien conduire. Clignot, on respecte les vitesses. On regarde tout le temps les rétros. Faut que je me concentre un peu, j'arrête de parler. Je vous laisse apprécier les plans. Même si pour vous, ce sera pas une vidéo forcément très intéressante. Oula, je viens de penser, la visière fumée du casque, la visière teintée. Bah, je suis pas sûr que l'examinateur pour le permis, il accepte ça. Ah ça fait plaisir de conduire des gros cubes sur route mon gars. Ah là là. Depuis le temps que je voulais. Là j'ai pas encore mon permis mais c'est comme si je l'avais en vrai. Parce que je roule avec des A2 sur route mon gars. Trop bien. Typo d'origine par contre normal hein, c'est des motos écoles. Mais franchement je connaissais pas cette moto. Je l'ai testé en SV650S, la sportive. Le jour de l'examen quand je passerai mon plateau ou ma circuit, je pourrais pas vous filmer les gars. Mais je vous tiendrai au courant.
Est-ce que j'ai réussi, suspense? Non, je vous tiendrai au courant, les gars. Là, je commence moi deux, enfin, je suis trop content. J'ai la petite radio, hein, pour ceux qui connaissent, qui passent le permis. J'ai mis mon petit gilet jaune. Gilet jaune, j'ai un swag MDR. Non, j'ai mis un petit gilet jaune, mon gars. Je sais même pas si vous entendrez quand il me parle. Peut-être vous entendrez vu que le micro est pas loin de l'oreillette. On va voir. Donc je pense qu'on va au plateau là. Parce que ça m'étonnerait. Ouais, c'est sûr même, à 100%. Parce que je fais 3 heures, les gars. Donc je vais pas vous filmer 3 heures. Mais dites-vous que je fais 3 heures de conduite aujourd'hui. 13h, 16h. Et après, je vais au travail. MDR, mec, c'est tellement frustrant. Moi, je suis tout à l'avant. Je suis le premier là. Ils sont tous derrière. Il m'a mis tout à l'avant. J'ai tellement envie d'accélérer, mon gars. On roule pas à plus de 50, ce qui est normal, bien sûr. Je dis pas, hein. Mais c'est trop frustrant. J'ai envie d'exploiter la puissance de la moto, là, d'accélérer. Mais vas-y, je roule bien. Je sais pas le con et tout. Normal. Mais bon, c'est très frustrant. Oh, cool, je vais pouvoir accélérer un peu. Attends. Et merci, la mini Axel. Et merci, la mini Axel. Donc voilà les gars, on se retrouve au plateau. Donc voilà les gars, on vient d'arriver au plateau. Donc on a fait un peu de circuit pour y aller, ça fait plaisir. Donc on va voir à quoi ressemble le plateau, c'est parti. Lâchez un like si cette série vous plaît, je pense que je vais en faire une série. Je vais faire une série, je passe mon permis moto. Mec, what the fuck. Oh le fou, je dois aller où moi? Ah ouais, le plateau mon ref. Moi je vais me mettre là. Tu le remets dans la poche du gilet. Ouais, pas de soucis. Et puis tu remets le gilet sur la plage arrière. Okay. C'est bon l'état. Ouais. Je le mets là. Ouais. Bien. Donc installation. Hop. Moi je passe sur YouTube ou quoi cette fois. Donc l'installation. Donc démarrage arrêt. Donc tu vas démarrer la mécane, tu vas juste arrêter où je suis. Ok, bon. D'accord. Ok, ok. Donc tu n'es pas sans savoir que si tu démarres avec la béquille de mise, ta moto elle cale. Oui. D'accord. Ça c'est une sécurité, okay. Évidemment. Si ça t'arrive de faire tomber la moto, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord. Oui. Dès qu'on fait tomber la moto, on coupe le coupe-circuit. Ok. D'accord. Une fois qu'on a coupé le coupe-circuit, on coupe le moteur. Ok. D'accord. Une fois qu'elle est tombée, pas en même temps qu'on tombe, ouais, on n'a pas le temps de tomber. Ouais. Si on peut éviter qu'elle tombe, c'est bien, mais si on peut pas éviter, on se dégage de sous la moto. On reste surtout pas sous la moto. Ok. D'accord. Parce que si tu restes sous la moto, tu peux te brûler si c'est côté échappement. Ouais. Si tu as le pied qui est dans la roue et que la roue tourne, c'est surtout pas la charcuterie. Ouais. D'accord. Donc si on sent qu'elle part, on dégage. Ok, bon. Que ça soit à la lente ici. C'est que là tu auras mal fait quelque chose ou perdu l'équilibre, mais ça peut être un freinage mauvais aussi. Ou que ça soit la rapide ici, c'est que là tu auras vraiment fait une connerie par contre. Ouais. Si on serait quand même là, c'est qu'on a vraiment fait une belle connerie. Le tout c'est d'analyser quelle connerie on a faite. Ok. Quand on va, donc on a parlé de freinage tout à l'heure, mais quand on va être dans le lent là-bas, quand je vais te mettre dans le lent là-bas tout à l'heure, ouais. On oublie le freinage avant. Ouais, c'est que de là. Ok. D'accord. S'il y a besoin, que du freinage arrière. Ok. D'accord. Éventuellement dans le demi-tour, parce que suivant le côté du demi-tour, là on pourra freiner de l'avant parce que si on a des pieds. Ouais, ok. Mais c'est tout. Sinon, freinage. Ah, il y a, ok, d'accord. D'accord. Bien. Ok, sur ça. Donc, pour démarrer, il y a deux méthodes. Hein. Soit on démarre sans accélération, ce qui est possible aussi. Ok. Mais un bon démarrage, normalement, c'est un petit peu d'accélération. Ok, petit. Un petit peu de volume, d'accord. Quand on est sur le plateau là, c'est pas indispensable, mais sur route, c'est bien de le faire pour bien lancer bien assurer son démarrage. Ok, petit. Okay. Tu vas rouler à la vitesse où moi je marche. Ok, pas de chier. D'accord, sans aller plus vite. Ok. Ouais, ok. Ouais, c'est quand tu veux. Ok. D'accord. Si on a ce rythme là, c'est qu'on sera bon. Ok, pote. D'accord. On va traverser, tu as fait du tour, tu viens avec toi. Ouais. Ouh.
Ouh, c'est du sport. Putain, elle est lourde, les gars. Ça change de la 125. Le lent, en vrai, c'est pas compliqué. Il fait chaud. Ouais. Bien. Alors, là je vais te mettre déjà sur le parcours ici. Ok. Par contre, allez, donc pense bien, regarde. Souplesse, trajectoire, d'accord. Tu mets autant de pieds que tu veux et passe pas toutes les temps. Ok. Reste à côté de toi. Regarde là-bas. Et là, regarde la vanne. Regarde la vanne là. Ça peut faire un gros diapos de corps, mais va le chercher un pied s'il faut. Voilà, s'il faut. Voilà, très bien. Là, va doucement. Là, va doucement. Ok. Lâcher un peu plus comme Andréa. Tu passes dans le couloir ici. En sortie, tu laisses le coude sur ta droite. Ah oui, il fallait que je passe comme ça. Ok. Faut qu'il soit à droite. Ouais. Faut que je sois plus en arrière. Voilà, c'est cette ligne-là qui compte. C'est que la roue sur la moyenne. Ok. Voilà. D'accord. Normalement, tu devrais. Ouais, non, faut que j'arrive. Ok. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ouais, c'est. Le cône, là. C'est normal, c'est le premier coup. D'accord. Sinon, l'allure là-bas est pas mal, l'équilibre est pas mal. D'accord. Donc, normalement, tu vas être dans cette zone-là, donc tu reviens un petit peu plus tard. Ok. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, je repars d'ici. D'accord. On part, on fait le retour quand même aussi. On va faire le retour. Ouais. Je vais me mettre un peu en tête. Vas-y, repars. Là, pareil, tu relèves le cône sur la droite. Là, t'arrêtes à la ligne. Il y aura la même ligne, hein, ça sera largeur et ça sera fatigué. Ouais. Un moniteur monte derrière sur un élève, vers de là. Là, les cônes, piqué, piqué. Là, ouais. Le parcours il est fini. Okay. Quand vous êtes plusieurs, tu reviens là-bas et tu te remets directement là. Hein. Ouais. Là, on le fera moins souvent là, le retour, mais voilà. Okay. C'est ça. Ça meurt. Ah, toi, là, t'es là-bas. Ouais, j'ai un R125 YZF. Je sais pas si tu vois. Ah, ouais, ouais. C'est ça, j'ai une sportive là. La bleue là qui est devant l'épicerie. Là. Ouais, bah ouais. C'est celle qui est devant, ouais. Tu vois, pour l'instant, je commence avec ça et là, je veux passer à plus gros. Tu veux prendre quoi, MT? Ouais, MT en vrai, mec, j'aimerais de ouf. Mais tout le monde là, ça casse les couilles. C'est ça aussi. Après, j'ai du sens, c'est bien, mais bridé à skip, c'est nul. J'ai un pote à moi, il a ça. En bridé à skip, c'est nul. Sinon, il y a quoi en vrai? On a deux ER6N, en vrai, ça envoie. Hein. Après, la gueule, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Non, pas ER6N, pas ER6N. Z650, je veux dire. Ouais. Z650, ça envoie. Toi, tu vas prendre quoi? J'ai envie de prendre un Juke 690. Ah ouais, ouais. J'ai testé sur ma chaîne, tu regardes. 690 Juke, c'est un monocylindre, non? Il envoie de ouf. Genre, mec, ça a de la patate. C'est quoi ta chaîne? T'as quoi comme chaîne? Bah, note. Ouais, au pire c'est ta YouTube là, je te mets. De toute façon, tu verras la vidéo du permis quand elle sortira, gros. Tu seras dedans. J'ai envie de prendre un super mode. SMCR? Ouais. C'est une dinguerie, mec. 6-4 comme Kikaninak là. Tu verras quand il y a une vidéo qui s'appelle je passe mon permis. Dès que ça sort, tu regarderas. Vas-y. Parce que là, je vais filmer à chaque fois. C'est ma première heure, mais je crois que je vais faire une série sur la chaîne et tout. Bon. Ah, fais-tu bien accélérer un peu. Bon les gars, on va rentrer nous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que je vais faire une série sur la chaîne en anglais playlist. Je vais faire une série, je passe mon permis. Là j'ai 5% dans la GoPro, on va rentrer, le cours est fini, on a fait 4 heures de plateau.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace. What's love?